Miss Normandie 2020, Amandine Petit s'était imposée d'une très courte tête devant April Benaïboum, Miss Provence 2020, lors de l'élection de Miss France 2021. La jeune reine de beauté a donc succédé à Clémence Bottineau en tant que plus belle femme de France. Malheureusement, comme ce fut déjà le cas pour Miss France 2020, le règne d'Amandine Petit fut marqué par la crise sanitaire, mais aussi par les différents confinements qui en ont découlé. Après avoir passé un an dans la peau de la plus belle femme de France, la jeune reine de beauté a transmis son écharpe et son diadème à Diane Ler, Miss Île-de-France 2021, qui fut élue Miss France 2022 en direct sur TF1. Plutôt discrète depuis la fin de son règne en tant que plus belle femme de France, Amandine Petit a eu la peur de sa vie dimanche 15 mai 2022, comme elle l'a dévoilé dans sa story Instagram. En fait, la jeune femme s'apprêtait à rentrer en France par les airs, après avoir passé un séjour à Casablanca au Maroc. Miss France 2021 s'est tout d'abord rendue en taxi à l'aéroport, avant de s'apercevoir qu'elle avait oublié son téléphone à l'intérieur du véhicule. Heureusement pour elle, son chauffeur a pu le lui rapporter rapidement. Un petit oubli qui a bien failli lui faire rater l'embarquement de son vol pour rentrer en France. Mais si est-il réellement après le décollage de l'avion que les ennuis ont commencé pour Amandine Petit et les autres passagers? Amandine Petit, Miss France 2021, on a passé une journée remplie d'émotions sûrement à cause des orages, l'avion a eu beaucoup de turbulences dont à deux moments précisément, où on est descendu en altitude très vite. Des cris, des pleurs, beaucoup d'angoisse des passagers, c'était impressionnant. Juste après, le vol a été dévié mais on ne savait pas pourquoi. Point, sans information du commandant de bord, ça commençait à être la panique. Et au moment d'atterrir, on commençait à être soulagé, le commandant a remis les gaz sur demande de la tour de contrôle, a révélé Miss France 2021. On a passé une journée remplie d'émotions. Tout est bien qui finit bien mais quand on prend l'avion et qu'il y a ce genre de choses qui se produit, qu'il y a des peurs, des cris, que les gens sont en panique, tout le monde est en panique, ce n'était pas rigolo, a finalement conclu Amandine Petit. Loading Widget.